En gros, la phase 7 consiste à quoi? À la séparation. La séparation. C'est la séparation. Parce que quand il y a la mort spirituelle, il y a la séparation. Oui, parce qu'il y a des gens sur la terre, ils sont morts spirituellement. Ils pensent qu'ils sont, elles pensent qu'elles sont vivantes, mais elles sont mortes. La séparation, c'est le septième fléau. Apocalypse chapitre 16, verset 16 à 20. Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple de ce Dieu appelé et pétit, c'est-à-dire trône, une voix forte qui disait, ça n'est fait. Voyez? Ça n'est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre après la chute. Et un point ici. Et Wassé fut spirituellement divisé en trois parties. On n'a pas dit Wassé fut divisé physiquement. Bra, bra, bra. Non, spirituellement. C'est ça la séparation. C'est ça la séparation. Il y a la séparation. Donc, Wassé est divisé spirituellement en trois parties. On sait que l'homme vit dans trois dimensions. La dimension astrale, la dimension spirituelle, la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, donc quand on sépare, c'est dans les trois phases, dans les trois parties, les trois dimensions, il y a ceux qui connaîtront la dimension spirituelle, qui doivent être des initiés, parce que les initiés, ça doit revenir. Ceux qui vivent la vie de plaisir, c'est-à-dire le corps de plaisir, d'émotion, l'âme, visuel, la débauche, le plaisir, et ceux qui vivent la condition de la chair complètement, l'homme charnel, dépourvu de tout, qui ne croit même à rien, qui ne croit pas au monde spirituel, ainsi de suite. Donc on divise en trois parties. Ça se passe dans le spirituel d'abord. Et Wassé fut spirituellement divisé en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Les villes des nations tombent maintenant. Certains diront que ben, il y a des villes dans les nations en train de tomber, puisqu'il y a des tremblements de terre, ainsi de suite. Ici, on est dans le sens spirituel. Et Moudima Bekor qui se dit, se souvient de Jombelan, vous dit Babylone. Maintenant, quand on dit Babylone, d'autres vont dire Babylone, c'est le Vatican, ainsi de suite. Non. Babylone ici, on parle de quelle Babylone? Est-ce qu'on parle de Babylone antique? Ici, Babylone, c'est pour ça qu'il faut comprendre dans la langue douala ancienne, qui est la langue originelle. Donc, Moundima Bekor qui se dit, se souvient de Djombéla Moundi. Il faut connaître le sens du mot de Babylone dans la prophétie, dans le livre de l'Apocalypse. Ici, Babylone va représenter quoi? Babylone, c'est quoi? Il faut comprendre ce mot en douala. C'est Djombéla Moundi qui veut dire la porte de l'esprit. C'est la porte de l'esprit. Mais de quel esprit maintenant? Ce n'est pas du Mundi, mais c'est la porte de l'esprit où il y a le monde occulte pénètre aussi par cette porte. C'est pour ça qu'on dit ici que Moundima Bekor qui se dit, se souvient aussi, se souvient de Djombéla Moundi, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Parce que ce passage-là, il doit neutraliser ce qui doit être neutralisé. Et tous les îles disparurent. Tous les îles disparurent. Parce qu'il va neutraliser. Et des montagnes ne furent pas retrouvées. Des gelons d'une masse énorme tombaient du ciel visible. Ouais. Maintenant, ça se passe dans le visible aussi. Du ciel visible dans les territoires d'où vivent certains blancs et sang-mêlés, hors de Wassé, qui blasphémaient à cause du fléau de la grêle. Car c'était un fléau. C'était un terrible fléau. Donc ici, s'arrête l'enseignement. Bibel.
La seule version authentique, l'Oba se glorifie toujours. Donc, je répète encore, il n'y a qu'un seul enseignant. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. Vous n'allez rien changer. La fourmi ne pourra jamais renverser une montagne, même dans ses rêves les plus fous. Est-ce que vous comprenez? Le poisson ne pourra jamais dire qu'il connaît les profondeurs de l'océan. Car le poisson est né, il a trouvé l'océan, il repart, il laisse l'océan. Le seul enseignant est en face. Tout bruit, toute sorte de manigance ne pourra rien. Le maître est là. Le champion!